Pour moi, c'est une première parce que c'est la première fois que je suis invité dans un festival du film. Moi qui suis... qui fait de la musique. Saluer d'abord au nom de Martine Aubry, maire de Lille, et de Catherine Cullen, adjointe à la culture, qui se réjouissent avec toute la ville de Lille de pouvoir accueillir cette deuxième édition du Festival du film indépendant, gage de diversité culturelle qui se traduit aussi dans ce croisement entre le cinéma et les autres disciplines et par la façon dont vous avez investi les différents lieux du festival. Le film africain est relativement peu connu, mérite d'être connu. Et très souvent, les gens qui voient un film sur l'Afrique et qui ne connaissent pas bien l'Afrique sont parfois un peu surpris. On est dans une période où quand même l'étranger n'est pas bien regardé et que à travers des initiatives comme ça, c'est faire apprécier la vraie richesse humaine qu'il y a partout dans le monde et qui est la bienvenue, y compris chez nous. Alors, deuxième édition, première édition que le Conseil régional finance. Vous, le CRAV, on a déjà initié un premier partenariat l'année dernière avec vous. Alors je rappelle peut-être en deux mots le CRAF, c'est le Centre Régional de Ressources Audiovisuelles, chargé d'aider et de développer tout ce qui est production audiovisuelle en région. Donc forcément, il était bien normal qu'on soit partenaire et qu'on vous donne un coup de main. Je suis super content d'être venu, je suis super content d'apprendre que le festival monte, que les subventions rentrent. Parce que sans subvention, c'est encore plus difficile de faire des films indépendants, des festivals indépendants. Nous, quand on remonte, on l'a fait avec beaucoup de subventions. On l'a fait avec la région, notamment le Nord-Pas-de-Calais. Je suis ravi d'apprendre que le CRAV participe activement à ce festival. Parce que il y a le potentiel ici, il y a des gens, il y a une envie des gens de voir des films différents, de voir des films qu'on ne projette pas partout. Donc c'est super important. La programmation de ces films sénégalais qui va de 1960 à 2005 montre une diversité de production au Sénégal, mais surtout permet à ce public lillois de découvrir une cinématographie qui existe que depuis 40 ans seulement. Et je pense que c'est une très bonne chose. Tous les ans, on souhaiterait comme ça mettre en place une thématique sociale, politique. C'était important pour nous de mettre des images sur les chiffres qu'on entend parfois aux infos. En fait, on estime le nombre de morts dans la mer Méditerranée à 10 000 depuis une quinzaine d'années. C'est assez vrai ce qui se passe. C'est-à-dire que quand ils peuvent penser que la barque va chavirer, c'est plus facile, ça évite de voir... enterrer les corps, essayer de retrouver les familles, toute une démarche qui coûte cher. Et donc, c'est donc Anne Deloisy, journaliste d'investigation et qui a publié cet ouvrage qui est Bienvenue en France. Et c'est Bienvenue en France avec un point d'exclamation, c'est cynique. Ce film est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que j'ai mis vraiment 10 années pour le monter. Et ça, bon, je pense que le public l'a senti et effectivement, j'ai fait passer le sujet qui est un sujet quand même assez douloureux pour tous les gens qui viennent d'ailleurs. Et je l'ai fait passer avec humour. Et en même temps, bon, on ne peut pas faire que de l'humour dans la vie tout le temps. J'ai vu peu de réactions au niveau de quelques dirigeants, enfin des élites de cette société. S'ils ne font pas attention, moi je fais un petit film comme ça pour prôner la tolérance, mais s'ils continuent à refuser ce genre de film, ils vont tomber sur des gens qui seront beaucoup plus radicaux que moi. Et là, c'est pas bon, ni pour la France, ni pour les étrangers. Pour ce festival, c'est bien de l'avoir amené pour voir un comité restreint des gens avec qui on pouvait discuter tout de suite et puis voir leur réaction.
Et puis moi ça m'a beaucoup plu d'être ici. Et puis surtout, j'ai vu que les gens, ils ont donné vraiment un très très bel accueil au film. Et ça, c'est très très important. C'est ma ville, hein. Je suis né à Lille, moi. Donc j'étais assez content de montrer mon film à Lille. Je connais les Lillois, c'est un public chaleureux et qui aime bien le blues en plus. J'ai l'impression qu'ils ont aimé mon film. Ça, c'est chouette. Je suis venue pour accompagner les films de mon père, donc Kodou et Jom, que j'ai revus en compagnie de mes enfants. Et ça a été très important pour moi, qu'ils soient là, dans la salle avec moi, en train de voir les films de leur grand-père. Ça, c'était des grands moments pour nous. C'était une belle occasion pour voir plusieurs films. Et j'ai bien aimé Vous le déconner aussi, et Africa Paradis. Et voilà, c'était super. Vous le vivez intensément? Très intensément, du matin au soir. Merci infiniment d'être venu en tout cas nous rejoindre. Nous, on vient de Castres, c'est à 45 km d'ici. J'ai eu vent du programme d'en sortir. Et puis avec les enfants, je trouve que c'est intéressant de toujours leur montrer aussi tout ce qui concerne l'Afrique, quoi. Donc voilà. En regardant Télérama, la revue Télérama, on a entendu parler du festival dans un magazine qui parlait des francophonies. Et donc voilà. On est arrivé de Paris spécialement donc pour le festival. Hein. Myriam, c'est la première fois qu'elle découvre l'île. Donc c'était très bien qu'elle ait découvert dans ces conditions.